Et bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour... Alors vous devez dire, what the fuck, tant que t'es sur League of Legends et tout. Bah, en ce moment, je joue beaucoup à LoL. Enfin, ça fait 4 jours que... Enfin, 5 jours maintenant que je me suis remis à jouer à LoL. Alors, je continue évidemment de jouer toujours autant à TFT, mais c'est vrai que c'est la fin de l'été et c'est l'été, j'ai envie de jouer un peu à d'autres jeux en général. Et donc, je sais pas, j'ai commencé à jouer à LoL et... Alors, pour ceux qui savent pas, moi j'ai beaucoup joué à LoL à la saison 1 et à la saison 2. Et j'étais pas trop mauvais. J'avais genre 2100 d'elo et je jouais que Irelia, Renekton, Riven, Rumble globalement. Bon, c'est pas mal déjà. Et là récemment, je... Merde, pourquoi je... Attends. Je vais faire un truc 2 secondes. Et là récemment, je suis mis à rejouer. Et franchement, je prends grave du plaisir à jouer au jeu. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Alors, je sais pas si ça vous intéresse. Alors, bon, je réapprends. Donc, pour l'instant, mon niveau de jeu, il est tout sauf stratosphérique. Mais bon, voilà, dites-vous que c'est un débutant et j'en stream un petit peu et j'ai besoin de vos conseils, hein, le chat, hein, quand je stream. Enfin, le chat, on n'est pas sur Twitch là, mais si vous venez sur le chat Twitch, j'en stream sur Arma un petit peu régulièrement en ce moment. Genre, je fais des games de TFT puis après, je fais des games de LoL en fin de soirée. Genre, je pense que mercredi soir ou jeudi soir en fin de soirée, on aura un peu de TFT ou dimanche dans l'après, un peu de LoL, pardon, je veux dire. En plus du TFT. Et c'est vrai que vous allez voir, ça fait 5 jours que je m'y suis remis donc je voulais vous montrer, vous dire que je joue un peu en ce moment et vous commenter un peu mon gameplay, quoi, je veux dire. Alors, j'aime bien, franchement, je prends du plaisir. Alors, en ce moment, pour l'instant, je joue Irelia, Rennec et en troisième Rumble. Mais Rumble, je suis. Qu'est-ce qui se passe là? Mais Rumble, je suis terrible avec. Je suis contre qui? Oh putain, je suis contre un Teemo, terrible. Oh, pourquoi un Teemo? Non, ça casse les couilles. Oh, non. Je viens de faire une game de ouf juste avant, en plus là contre un Jayce. Et là, on sort quoi? On sort un Teemo de mort là. Ah, c'était. Je suis déjà saoulé là. Bon, j'espère qu'il va push la lane, j'espère. Pourquoi mes creeps ils le focus pas? Ah, voilà. Eh, mais c'est pourquoi les creeps le focus là? Ok, bon, il push, j'ai l'impression. C'est bien, le fait qu'il push ça va m'aider à farmer, sinon c'est la merde. De toute façon, s'il push pas, je pense pour moi. Ok, alors faut savoir que la Irelia Tank elle était connue, hein, sur League of Legends à la grande époque. C'était pas n'importe quoi la Irelia Tank. De toute façon, je vais pas grid les. Quitte à rater les creeps en début de partie, c'est pas grave. Si je rate, franchement, Osef. L'idée c'est de pas overextend sur. Oui, level 2 là. L'idée c'est quand même de réussir à leech l'XP autant que faire se peut. Chaque fois il a pas intérêt à venir gank ce bâtard, hein, je farm là. Oui, bon, je pense que je peux. Alors, ce qui est bien avec Kyria, c'est que c'est assez facile de farmer sous la tour. Hein. Je prends le truc pour farmer à distance là. Voilà, c'est pas mal ça. Merde, merde, merde. Pas que je prenne trop cher. Mais putain, je fais flash sur le. Là, on le tue là, franchement, si l'autre vient là. Après, j'ai pas le stun, mais bon. C'est bon, je vais avoir le stun là, non? Non mais viens pas. Non, attends, faut que je farme là, faut qu'il vienne en fait ce bâtard. T'as, par contre, l'autre il manque de respect de ouf là, il manque de respect les Irelia. Attends, il sait pas qui je suis, je crois. Oh putain, j'ai raté mon creep. Il sait pas qui je suis, je pense le mec. Allez, Chaco, c'est maintenant là. Là, c'est maintenant, il décède là. Là, Steemo, là, je vous promets qu'il meurt là. Il est pas ward en plus, on est d'accord, il est pas ward, il est fou. Putain, il sait pas qui je suis. Allez, ça y est, il va aller ward là évidemment. Ah non, il vient pas donc très bien. Putain, j'ai raté, mais oh là là, j'ai raté mon CS au moment où l'autre il vient donc. Ah, mais y'a Karim, super. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? On meurt pas, pitié. Alors, Teemo, c'est chiant hein, comme match-up. Après, si je rate pas mes creeps, on est kiff-kiff niveau farm. Après, là, il va être chiant. Bon, on est à peu près kiff-kiff niveau farm, en sachant que. Je pense que quand je passe level 6, je le démarre, je pense. En fait, il faut que je récupère le sceptre vampirique pour avoir du sustain sur la lane. Ma game, elle commence que quand j'ai sceptre vampirique, je pense, là, honnêtement. Pour moi. Du moment que je reste à un nombre de CS, bon, j'aurais pu aller chercher celui-là quand même. Du moment que je reste à un nombre de creep, ok, d'écart, ça va le faire. Oh non. Alors, je suis trop pussy, hein. J'ai pas une bonne appréhension des match-up en vrai. Pour le coup. Bon, voilà, de toute façon, il va me. Je peux pas. C'est ça qui est chiant. Tant que j'ai pas mon sceptre empirique pour avoir du sustain, à 900, c'est le sceptre. Bon, ça va y aller vite, mais bon. J'ai pu rater deux CS vu qu'il est en train de partir warder, j'imagine. Moi j'aimerais bien récupérer le sbire canon. En sachant que si j'y vais, je prends des risques terribles. Ok, je l'ai eu, c'est bon.
Il a pas d'ignite, hein, il est un TP. Hein. Ok, c'est pour ça, parce que toi je me suis rendu qu'il avait l'ignite, il m'a défoncé. De toute façon, moi, mon but quand je joue à LoL, c'est de pas mourir. Mon but, en tout cas en solo queue. Oh putain, Shaco qui va tenter le hank là. Ça sent le décès, ça, je reconnais ça. Ok, super stun. Allez, on le fait flasher. Non, Shaco, non, fais pas ça, Shaco. Non, Shaco, mais pas ce que je crois. Il a fait ce que je crois. Alors, non, Sylvain, je rappelle, hein, c'est la clown fiesta. Hein. Bon, alors là, évidemment, normalement, l'ancien tank l'aurait insulté, hein, évidemment. Là, c'est le nouveau tank éminemment sympathique. Bon, il joue back vu qu'il est 600 plus là. Donc, il a été overextend, il a pris un coup de tour et il est mort comme une merde. Hein. Typical. Alors, je prends pas de bot parce que j'ai pris un talent qui me donne les bots automatiquement, donc ça sert à rien de prendre les bots. Donc là, le problème c'est que le mec il est. Je sais pas si j'aurais pu ne pas TP ici, peut-être. J'aurais pu penser. Alors, le problème c'est que comme il est 6 là, il a un level de plus que moi, donc je vais pas non plus trop overextend. De toute façon, je pense que le mec il va TP après avoir pris la lane là, probablement. 30, 43. Il veut pas TP, hein, l'enfoiré. Putain, il a raison, j'aurais essayé de freeze la lane sinon. Il m'empêche de freeze la lane, c'est pas mal joué de sa part ça. Ah mais j'ai trop. Allez, tiens bâtard. Putain, il a voulu manquer, pardon, excusez-moi hein. Oui, quand je joue à l'heure, ça, quand je joue à l'heure, je change pas mal de quand je joue à Hearthstone ou TFT hein. Voilà, là on a démarré comme prévu, c'était le plan de jeu, on vous a dit on passait sur le démarre. Et bon, j'ai raté mon stun quand Shaco est venu, mais c'est pas grave, on s'est rattrapé sur ce coup là, c'était pas mal. J'oserais même dire que c'était magnifique. Bon, c'est l'Irelia de tank après. Alors, moi, vous savez que j'ai complètement réappris à jouer Irelia parce que quand je jouais, elle a été rework. Hein. Le perso n'était pas du tout comme ça à l'époque où je jouais à LoL. Hein. Il a été complètement modifié. Hein. C'est-à-dire que l'ulti a changé. D'ailleurs, je trouve que l'ulti est vraiment extrêmement fort maintenant par rapport à l'ancien ulti. Je sais plus combien de teams vous faites de champignons à la fois. Je crois que c'est 3 champignons à la fois pour Teemo, il me semble. Un truc comme ça. T'es frise ce bâtard quoi. Je peux aller chercher un autre item en vrai, peut-être. Après, il va m'empêcher de back sûrement là. J'ai pas de mana, c'est bon, il pourrait pas m'empêcher de back là même s'il essaye. Voilà, on va aller chercher notre thème. Alors on va quand même essayer de régénérer notre mana. Alors ça sert à rien de prendre des potes maintenant, on régène de ouf. Donc à 12 minutes je suis censé avoir mes bots. Qu'est-ce qui... Yeah, c'est bon, il y avait un ennemi ici. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Ça ping aussi un ennemi. 55-47, bon c'est la wave que je vais rater là malheureusement parce que j'ai fait un back de plus que lui. Ok, on a fait autant de bacs, hein. Non, j'ai fait deux bacs, enfin lui il en a fait 0, mais comme il est mort, ça compte pour un bac, on va dire quoi. En plus, il a TP direct. Moi j'ai raté le sbire canon malheureusement. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû wave sur une back sur une wave de sbire canon. Par contre, je peux le démarrer encore ou pas là? Bah, avec les 4 sacs, je pense que je le démarre, hein. Mais après, j'ai pas mon ulti, mais. Et je sais pas trop où il a mis les champis, j'en ai vu qu'un. Il est mort là, il n'y a pas de flash. Voilà, ok, j'ai marché dans deux champions, peut-être se calmer du coup. Et là, ce qui est pas mal, c'est que bah, je peux pas mal régène. Putain, mais ouais, c'est miné, le terrain est miné. Hein. Saloperie de Teemo, va savoir un perso satanique, Teemo. Hein. Il a pas d'âme quoi. Il y a rien, il y a un champi ici, je crois. Hein. Et bah, dis donc, les champions, il y en a partout. Hein. Ok, il y a un Ikarim qui est dans la river là. Je crois qu'il a compris, il a senti que j'avais envie d'overextend et il a raison, j'ai très envie d'overextend. Ils font chier, on va empêcher d'avoir mon. Ok, j'ai mon sbire canon, c'est bon, tout le reste n'a plus d'importance. Oh, il s'appelle Sylmarion. Un fan de Lord of the Ring. Là donc là je pense qu'il y a le Hekalim, voilà qui est là, regardez, oh putain. Il y a le poney là, mais il a cru que j'étais con ou quoi le poney là? Oh, ça dégoûte, vas-y. Si je vois le poney quelque part sur la map, je démarre le Teemo. Je préviens, ça va être incroyable là. Il ose manquer de respect au grand tank là. Oh, je vais le démarrer, la vie de Wham. La vie d'Adèle, je vais le démarrer. Vas-y, c'est pour ça, il va se casser là, à mon avis là. Ils ont compris que leur petit cheval de manège, leur petit manège, ne marcherait pas sur moi. Ah, tiens, t'es mort. Ah bah, j'aurais pu l'empêcher de back, je suis un peu con. J'ai une culotte, il est plus là, ok, évidemment, sinon il serait pas parti.
Bah attends, là je fais push parce qu'il me semble pas que le Teemo est... bah, il a pas de TP forcément donc ah bah super. C'est vrai que les champis ça va être bien, hein, des push pour le Teemo quand il est pas là. Ok, je l'ai rattrapé en farm, vous voyez on a quand même pris on a un peu retourné le truc là. C'est pas mal. Là ce qui est pas... alors il va normalement il va quand même perdre son farm, ouais ça, il va quand même perdre du farm, ça c'est bien ça. Il me manque 400, moi j'aimerais bien back quand j'ai... alors j'aimerais bien back soit avec mon TP, soit avec la BOTRK là. Alors c'était pas si j'ai des bons builds à me conseiller sur Irelia, si vous jouez un peu à League. Parce que moi je connais le build sur TFT hein, mais... bah voilà, y'a quoi là? Pardon, excusez-moi. Il a voulu manquer de respect au grand Talk. Le grand Talk qui a tout appris à Wicked. Pardon, excusez-moi. Je me sens un peu trop chaud quand je joue à LoL des fois. Bah après je joue en silver, j'estime avoir un meilleur niveau que quelqu'un de silver, même si je joue que depuis 4 jours. C'est mon ego. Bon, qui est pas si grand que ça mon ego en théorie, mais... quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais... c'est plaisir de gagner quand même quoi. Alors il y a l'autre qui a pris l'Hérald. Est-ce que je continue à farm ou est-ce que le Ekaim va venir? Non, le Ekaim va venir me démarrer là je pense si je fais... parce qu'il est juste là donc j'imagine que autant se casser. De toute façon avec autant de gold... je pense que voilà, là il y a tout intérêt à partir. Et là maintenant, sur le Teemo peut plus rester. Je pense que je peux dive le Teemo à mon avis là. Bon, je pense que c'est ces bots là dans cette game. Je peux attendre le temps que mon mana régène, je peux attendre la petite nul magic mantle mes couilles là. Voilà. Ok, donc là on back. J'ai mon petit T en même temps, excusez-moi, ça me détend quand je défonce des Teemo. Bon, je serais bien resté jusqu'au TP, mais bon, normalement, on va rater. Ouais, on va rater 5 spears, c'est pas très grave. Vu d'avoir ce qu'on a pris sur lui. Avec les deux kills normalement on avait pris les verts kills lui aussi, il faut le rappeler quand même, il avait tué Chaco qui s'était suicidé. Like the hell. Après il a pas l'air très très bon hein. Enfin j'ai l'impression qu'il respecte pas les Irelia quoi, j'ai l'impression. Irelia Talk. La terrible. Alors j'ai vu qu'il y avait un champi juste devant là. J'ai rien de pas trigger le champi. Soit il est mort là non. Pas du tout. Bon, j'ai trigger tous les champis du coup au final. J'ai trigger tous les champis. En vrai, la nerf de la guerre c'est vraiment avoir les 4 stacks puis placer le stun quoi. Non, mais il fait chier, alors là il me met mal là quand même hein, en termes de PV là. Je marche dans 2 champis, je suis dans la sauce hein. En fait il faut pas que j'attende de me faire poke pour le démarrer quoi. Sinon c'est chiant sinon. Là il faut que j'arrive à régène. Quand j'aurai les bots, parce que les bots, je crois que les bots réduisent magique, elles réduisent les CC je crois, donc c'est quand même vachement intéressant. Bah super, j'ai réussi à rater mon truc avec le flash quoi. Putain, j'aurais pris. Je pense que je peux. Attends, j'ai remonté ulti donc je pense que là on va pouvoir le démarrer bientôt là. Là, s'il vient poke sur la tour, il est mort. Il a plus de flash en plus, on est d'accord. Et moi je l'ai mis, en plus quoi. Là, le démarrage est imminent là. Franchement, là, le démarrage est extrêmement imminent. Je vais essayer de choper mes 4 stacks sous la tour. Je sais pas si je peux déjà one shot les sbires. Ah bah oui je peux. Oh bah il est mort hein, je crois là. Ok nice. Ok là c'est pas... là franchement c'est de la grande Irelia. Bon là vous avez un grand spectacle les amis là franchement là. Je me suis dit est-ce que je fais une vidéo sur LoL. D'ailleurs dites moi si vous en voulez plus hein. Alors je sais que... bon je pense que la plupart s'intéressent à TFT principalement mais... moi j'ai envie de lancer un petit défi pour ceux qui m'aiment bien moi. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment bien bah autant moi je te mets... oh même si tu faisais du Warcraft 3 Reforged peut-être pas quand même, faut pas déconner. Le scam de l'année quoi. Enfin de l'année dernière du coup. Allez on farm. J'ai dit quoi que maintenant fallait taper les tours parce qu'il y avait les tourelles platine mes couilles là je sais pas quoi là. Hop et on se casse. Ah par contre s'il veut... non il va quand même pas faire ça quand même. Il va quand même pas manquer de respect pour pouvoir essayer de me chase quand même. Oh putain. Je crois qu'il allait vouloir me chase le malade quoi. Ah il allait connaître leur destin funeste hein, s'il essayait de chase le grand Talk. Donc oui j'ai récupéré mes bots ça y est tout à l'heure d'ailleurs. Ça fait déjà un petit moment. J'avais pas dit, parce que je peux aller les acheter. Bon bah en plus on est pas... alors par contre y'a que 6-6 dans la game, on est pas si almighty que ça j'ai l'impression hein. Donc là, moi, alors moi on m'a dit plutôt faire la Divine Surrender. Ouais je TP hein, je laisse pas de répit au Teemo. On peut pas le laisser, alors il arrive quand même à avoir un farm descend. J'ai pas mon ulti mais est-ce que je peux pas le tuer sans ulti le Teemo quand même là. Je pense que je push, je pense que je... je le laisse pas prendre son farm hein, Nick. Il va plus avoir beaucoup de gold bientôt lui hein. Ah, il m'a blind, foiré.
J'avais pas mon R. Je pense qu'il y a moyen de la jouer peut-être plus finement quand même. Ok. Il back. Oh, mais c'est qui ce petit écho là? Je sais même pas ce que ça fait en fait écho, donc c'est peut-être même de prendre le fight. Moi je suis fine, hein. Je suis level 12, il est level 10. Je pense que prendre le fight ça se faisait, mais bon. Quand j'ai pas mes stacks, je suis moins fan de prendre les fights. J'ai eu des mauvaises expériences quand j'avais pas mes stacks. Bon, prenons la tourelle. J'aurais pu lui armer 3, je crois. Ah, mon triple kill, reviens, Karim! Oh putain, vous êtes arrivé pour la game du pentakill là, je crois. C'est la première que je record. En plus, je me suis dit, allez, je record comme ça, tac tac, on verra bien ce qui se passe. Là, vous arrivez pour la game du pentakill là, je pense, à mon avis là. On va pas se mentir là. Putain, là, vraiment. Oh, vous arrivez vraiment pour le bon moment là, honnêtement, vous êtes au bon endroit là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose que vous avez là, d'assister à la première game de tous les temps de la Irelia Tall sur YouTube. C'est absolument exceptionnel ce qui se passe, hein, franchement. Je pense qu'il faut le dire, à mon avis. Hein. C'est Deny ADC, personne Deny Stop dans le chat de ma game quoi, alors que ce qui se passe est absolument amazing du cul là. Il faut laisser un petit truc, c'est ça, dans la forêt adverse. Hein. Non, la boîte de Shaco a permis de résister cette jungle, terrible. Terrible, attendez, est-ce que j'ai assez de gold pour acheter le... Ah non, il faut 2200. Je vais quand même pas aller faire le red buff quand même, on est pas à ce niveau de puterie quand même. Ah bah attendez, mais c'est Thibaut qui va mourir en fait, je crois. Mais Thibaut va être sacrifié pour mes gold. Mais j'ai pas de mana en fait, c'est chaud non? Tout va bien. Et ils ont pris le Drake les autres par contre? Ils ont pris le Drake, non, je sais pas qui a eu le Drake. Ah non, c'est nous, tout va bien. Godlike! Legendary! Bon, est-ce que si on veut partir en... Ah bah attendez, petite wave encore, on peut-être pas faire une petite wave quand même. Non vas-y, j'ai pas... Ah oh, putain. Ah oh, mais la grid me perdra, je vous promets. La grille me perdra, je vous le dis. Ouais, c'est ce qui se passe maintenant. Bon, j'espère que vous appréciez le spectacle de cette game. Hein. Bon, moi j'aimerais bien monter master. Enfin, j'aimerais bien être master sur les 3 jeux Riot. Le problème, c'est qu'il y aura une Terra. Je trouve que le jeu est nul à chier. Mon petit tweet scène là, je pense. Hein, je sais pas ce que ça fait, mais c'est marqué que c'est good against Timo là. Et j'ai vu qu'il y avait un Négatron. Donc, si c'est comme sur TFT, le Négatron c'est la famille là dans cette game. Parce que. Il y a deux persos qui font des dégâts magiques en face quoi. De toute façon, le Thibaut il est à 1-5, il va avoir plus aucun gold de Thibaut de toute façon maintenant. Je sais pas si je peux tenter le GG. En fait, j'ai pas envie d'overextend et de me faire un V9 là. Ok, bon, il y a eu l'ulti qui est parti. I don't that in your me, Little Silver. Oh putain, ça commence à flame dans ma game là. C'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe quand ça commence à flame comme as là. Ça joue bien là, ça joue bien ou pas? Franchement, ça joue comment là les amis là? Bon par contre je sais pas si je peux en V9 hein, quand même hein. Je suis à 8-0 en fait, j'ai quasiment tous les kills de ma team. Qui est fit chez moi avec? Ça va, ils ont tous un peu de kills. Il y a le bord de Kizer qui est à 0-0-0 mais il est quoi? Moi il est level 13 au moins, c'est pas mal on va dire. Attends, mais lui il est que level. Pour moi, je le trichote, non? Oh là là, Faker! Ah là, c'est trop ce qui se passe là, franchement là. Là, ce qui se passe, c'est trop là, franchement, honnêtement là. Ah, oh, mais vas-y, ils ont réussi à donner un kill au vieux Thibaut qui a dû la chier là. Putain, après le Thibaut va revaloir des goals maintenant, c'est bien ça. Putain, ils m'ont énervé là en début de partie, je savais qu'il fallait pas qu'il m'énerve. Hein. Franchement, c'est pas ma faute, hein, mais. Je sais que je méprise les corrosions de Genève dans cette game, mais. Oh, ça va être la game du pentakill là. Si c'est pas la game du pentakill, je m'y connais pas. Bon, je lâche pour TP. Non, peut-être pas. Non, ça va. C'est pas peut-être sa push. Ah, ça veut faire le dash. Alors, c'est pas le dash, c'est le Herald. Ça, je reconnais, c'est la game du pentakill, ça, franchement. Moi, je suis level 14. Le Timo est niveau 11. En fait, j'ai 4 levels de plus que la plupart de leur team, quoi. Ça va bien se passer du coup. Ça fait deux fois que je vais te voir live dans leur team de toute façon. On peut faire le Herald avant que le Nashor arrive ou c'est chaud? Ça a l'air chaud quand même. Ce qui est mal c'est que ça part vite en teamfight, c'est bien pour moi vu que je suis vachement fine.
Mais il n'y a pas de Chaco pour qu'on aille faire ça, je pense, donc c'est chaud. C'est terminé lui. Et on a tué la tristesse. Bon bah je pense que ça va FF là, je pense que vous aurez une vidéo courte, hein, désolé mais. Je voulais pas vous faire une vidéo aussi courte les amis, mais bon. Qu'est-ce qu'elle fait la Jinx là? Elle s'est prise pour la Irelia Talk, je crois. Elle m'a vu, ça l'a inspiré à mon avis là. La terrible Irelia Talk. En plus malgré un farm exceptionnel hein, en plus hein, malgré tout il faut le dire. Hein. Non mais au début j'étais vraiment. Enfin quand j'ai repris j'étais vraiment nul à chier là, je commence à retrouver quelques sensations pas mal, très intéressantes avec mes Irelia là je trouve. C'est vraiment des belles sensations qu'on retrouve là. Qui font plaisir. Alors ça fait. Ah oui, c'est marrant ça. J'aime bien ça. Oh, il y en a plein en plus. Oh tiens, c'est un Karim qui est overextend, ça je reconnais ça. Bon, je vais les chase comme des bronzes. Moi je vais prendre le farm au perso. Ah bah tiens, qui voilà. Oula, 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 oula. J'ai pas mon lâche, Cassos. Est-ce que je peux acheter la Witsend? Ah bah oui, je peux acheter la Witsend. Eh, hey, j'en reviens pas qu'on puisse avoir du stuff aussi rapidement quoi. Si c'était aussi rapide sur TFT en 20 minutes, full stuff. Enfin, full stuff. Vous m'avez compris quoi. Mais y'a un swain en plus, donc c'est vachement intéressant de. Peut-être faire la Death Dance maintenant. A voir, essayer de s'adapter un peu les items qu'on fait. J'ai un TP, mais y'a pas de ward, tiens. Je peux taper sur les trucs de Chaco. Ah si, je peux taper sur les trucs de Chaco. Amazing. Parce que là, je crois qu'il y a écho. Je crois qu'il y a un écho à catch là, je crois, il me semble. Ah non, il est back. Ah, flamme de Chisley. Bon, Chisley creep quand même, on en est pas là quoi. On est pas à ce niveau d'animalerie quoi, en théorie. Moi je suis chaud pour tenter le terrible dive là, mais. Oh, c'est vraiment, c'est pas bien là ce que je fais là. Allez! Oh, on peut jumper de ce côté là, j'ai pas compris. Bon, c'est Warden ici. Non, ils vont. Oh putain. Ils ont cru qu'ils allaient prendre mon kill, ces bâtards là. Après, faut pas se mentir, il sert à rien le Chaco, donc c'est pas très grave. Hein. Par le hint, Malayne a donné des kills au Timo, il sert à rien quoi. Attendez, mais ça file ou je rêve là? Oh, putain, mais c'est en train de voir Axton de tous les côtés là. Est-ce que c'est pas l'heure pour le grand tank d'arriver là? Mais en fait, le bord de Kizer, il fait que. Il a zéro... Ah non, il a pris des kills, c'est vrai ça. Vas-y, moi je prends pas, je suis pas le malade là, je suis pas le dingue là. Si je fais le dingue ou pas? Enfin, en même temps, faut les tuer maintenant avant qu'ils. Mais si je meurs, en fait, je les relance grave dans la game parce que. Genre, si la Tristana elle prend mes 800 gold, 700 gold, je vaux là quand même. Ça fait un paquet de pognon, un pognon de dingue comme dirait l'autre. Non, mais là, jamais ils font de l'âge, t'es fou là. Ils vont essayer de tuer le mort de Kaiser de mort là. Il est passé où le Echo? Il est passé où le mort de Kaiser? Ah, il l'a mis dans sa ulti de mort de Kaiser là? Ah, oui, c'est ça. Oulala, on se casse. Oulala, on se casse. Apparemment, mort de Kaiser, ils se sent chaud apparemment là, mais. Je me sens fort dans la game, mais je sais pas si je me sens assez fort au point de 1v4. Pourtant, on se sent fort là, c'est l'Irelia Talk, on peut le dire, mesdames, messieurs, mais. Mais le problème, c'est qu'il se passe rien. Depuis tout à l'heure, je farm plus là, donc. Là, je. C'est un moment useless là. Est-ce que je suis ward? On va dire que je suis ward, on va dire donc. Dans le doute, on va prendre le farm et peut-être se casser quoi. Ok, alors le prochain item c'est quoi? C'est peut-être le Sterak. Vas-y, j'ai envie de faire le Sterak plutôt là. Je sais pas ce que ça fait mais. Ah, moi quand je jouais à l'époque sur Radio, on faisait Atmog. Trinity Atmog, on commence par Trinity, après on faisait une. L'Empereur d'Atma et la Warmog. Ça c'était le bon vieux temps ça sur MyRedia là. C'était amazing. Bon, les gorilles groupes là. Je vais commencer à lead la team parce que moi. Hein. On est à 11-0-1 mais plus j'attends, plus il se rapproche de mes points, de mon level quoi entre guillemets. Allez c'est parti, c'est parti, bon bait, bon bait. C'était l'heure du penta là, non? Hashtag. C'était l'heure du penta là. Bon allez on avance là, c'est parti. Je fais un kill et une assist, c'est ça? Oh, ça dit, je suis arrivé sur Tristana, on a pu isoler la Tristana, c'était pas mal hein, quand même. Mais là on push sur les 3 lanes, là c'est parti là.
Justou Lachor. Non. Silver, mais il se fout de ma gueule lui Silver ou quoi? Je le carry comme un... Il se fait carry par un Silver ce bâtard et après ça vient ouvrir sa gueule là. Va faire ton Lachor connard là. Pardon, excuse-moi. Silver, il a osé dire au grand Talk. Hop là. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça a l'air très urbain. Non, franchement, c'était archi worse. Bon, j'avoue qu'on a pu faire le Nash, hein, mais. C'est sûrement très bien, mais il m'a. Il le mec, il me dit Silver alors que. Il s'est jamais fait autant carry de sa vie, ce bâtard là, je suis sûr. Putain, mais ça veut chase jusqu'à. Jusqu'à l'infini et au-delà, ça ou quoi? J'ai mon TP moi d'ailleurs, cela dit. Petite box de Shaco et je TP. Hein. Après, s'ils fight tous, je vais prendre l'inhibiteur, moi, Nick. Putain, c'est potentiellement là, tu as quelqu'un, on est en. Il y a un déséquilibre qui se crée et je peux aller prendre mon inhibiteur là, je pense. Moi. Après, je peux aussi TP pour aller faire des kills, mais bon. Moi, je termine là pour l'instant. Ils sont deux là. Elle va quand même pas me chase quand même, elle va quand même pas faire ça, elle va quand même pas manquer de respect pour me chase quand même, non? Mais complètement taré, tu sais quand il joue. Ah mais il est parti le petit truc, c'est Trisek qui l'a peut-être tué. Ouais c'est possible. Bon je crois que c'est GG Nero là je crois. Hein. Bon bah 13-0-3, on essaie de pas mourir hein. On essaie de pas mourir pour la France. Et je peux même TP là, oh là là, amazing quoi. Ok donc là il me manque un item. Petit ange gardien là peut-être pour terminer là, ou la Dead Zens. Petit GA histoire de garder le KDA là. Peut être amazing pour le KDA le petit GA là. De toute façon maintenant j'ai envie de dire. Hein. C'est broken Irelia mon dieu. C'est encore plus broken qu'avant je trouve. C'est encore plus amazing que quand je jouais à LOL quoi Irelia. Je prends le nip solo dans la pompe, tu sais. T'as un bel bord de Kizer qui essaie de me voler de la vedette ce bâtard alors qu'il était à 0-0 il y a 2 secondes, tu sais. Tiens, bâtard, mon kill ça. Attendez, c'est le moment de bronze chase là. Bah oui, y'a plus de toile, c'est dommage. Bon bah ils ont plus d'énigmes hein. Ah elle était super cette game, j'ai adoré quoi. Une des meilleures. Bon il y aura pas eu de pentakill malheureusement que je vous avais promis mais... Mais le curry était les amis hein. Vas-y mais ils sont sérieux ping la Nashor ces bâtards là. Ils sont sérieux ping le Nashor là. Non mais ils veulent vraiment faire la... Oh la flemme de faire le Nashor bordel quoi. Y'a un acteur de face check là. Et y'a le Mordeux Kaiser qui l'a mis dans la cage. Ah j'attendais qu'il ressorte pour qu'il se fait chier quoi. Je suis dégue. Bon allez on termine là. On s'aime du Nashor. Moi j'ai des gens qui attendent pour aller faire autre chose sur YouTube là. Oh là 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 là. Ça touche. Oh ça me casse tous mes kills quoi. Non non je mourrai pas, je vous préviens là. Non, non, moi je fais une game propre là, moi. Une game zéro mort là, les amis. Je vais tenter le petit grid là pour le kill là. Et il veut me la mettre. Il a aussi de me la mettre là, j'ai reconnu là. Et voilà, hop, c'est le GG. Petite vidéo YouTube pour vous présenter la Irelia Talk qui est de retour, mesdames, messieurs. Bon, je sais pas si je ferai plus de contenu sur League of Legends. Mais je tenais à vous montrer ma Irelia quand même parce que bah, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est l'Irelia de Talk. Alors, j'espère qu'on va m'honorer là, j'espère, hein, parce que je mérite beaucoup d'honneur, je pense. Alors là, Silver 4, bon, ça monte tout doucement, hein, voilà, il faut le dire, mais ça commence comme ça, hein, ça commence par un petit Silver 4.
Ah, j'ai gagné un S sur Irelia, ça fait plaisir. Ça aurait pu être un S plus, hein, je sais pas si ça existe, mais bon. Ou alors un SS. Non, les SS, c'est quand un mec qui. Après, ça nous rappelle aussi les heures les plus sombres de notre histoire, ça. Effectivement, merci de vous avoir suivi cette vidéo et on se retrouve demain pour une vidéo TFT. Ciao tout le monde, bisous.